Cynthia et Damien, malgré qu'ils ont l'air fins, sont deux petits vauriens à qui on n'apprend rien. Plutôt que de dormir, quand arrive le soir, ils veulent encore rire et conter des histoires. Mais il faut prendre garde quand la nuit devient noire, où les joyeux refrains finiront. Chapitre 1, Patricia et l'école. Patricia, le soir dans son lit, pensait à ceci. L'école, c'est une cochonnerie. Un coup pendable fait aux contribuables. Et en tant que citoyenne responsable, je me dois de dénoncer ce qui se passe là-bas. Tout d'abord, on n'y apprend pas, on y désapprend. On y désapprend à ne rien savoir, ce qui fait qu'on n'apprend pas à ne rien apprendre et que finalement, on finit par ne pas savoir qu'on sait des choses, ce qui revient au même. Je suis méchant. Damien, assis dans son lit, en pleine nuit.
pleine nuit. Je suis méchant, soit, mais ce n'est pas de ma faute. Je ne suis qu'un enfant et tous les enfants sont naturellement méchants. Ça, disait-il. Depuis des millénaires qu'ils mentent à leur maman, depuis que les enfants sont enfants, alors je ne vois pas pourquoi pas moi. Je ne vois pas pourquoi je n'en profiterai pas puisque c'est plus fort que moi. Et il se préparait à mentir à sa mère pour ne pas aller à l'école. Damien ne mentait jamais à son père parce que, se disait-il... Mentir à sa mère, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce qu'elle est beaucoup plus naïve. Mais ce n'est pas de sa faute, il est beaucoup plus naïve. C'est parce qu'elle m'aime. Se disait Damien. Ce n'est pas de sa faute. Elle est elle aussi comme toutes les mamans et toutes les mamans sont naturellement naïves. Depuis que les mamans sont mamans, alors il ne faut pas lui en vouloir. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi je n'en profiterai pas. Je n'ai qu'à la prendre par les sentiments et faire semblant que je suis très malade. Et il riait. Il riait de se voir si intelligent et de savoir tant de choses à son âge. Puis, il appela. Maman! Maman? 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 Maman! 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 À moi! Quand la maman de Damien entra en pyjama dans la chambre, elle l'appela de mille mots tendres. Qu'est-ce que tu as, mon petit poussin? Mon petit requin? Mon petit poulet au romarin? Mon petit machin? Ma petite face de chien? Mais Damien répondit en beau comédien. Rien à faire. Maman, je suis collé, rivé, boulonné à mon lit, jusque dans les plis, jusque dans les ressorts du matelas. Je suis là, coulé, cimenté dans le béton. Rien à faire. Je suis gravement, très gravement malade. Je suis si gravement, très malade que je ne pourrai pas aller à l'école demain. Alors la maman de Damien s'inquiéta vivement. Mon petit pissenlit, tu es si gravement malade qu'il va bien falloir te faire une lobotomie. Une quoi, à ce mot? Une lobotomie. Une quoi, à ce mot? Une lobotomie. Et à l'idée de recevoir? Une lobotomie. Damien fut soudainement si inquiet, même s'il ne savait pas ce que c'était qu'une lobotomie. Il va falloir te découdre le ventre, te plonger les deux mains dans le corps, t'ouvrir les yeux avec des crochets, te pendre par les pieds. C'est le seul remède que l'on a trouvé à la terrible maladie que tu as contractée. Damien fut soudainement si inquiet qu'il se redressa dans son lit. Tu sais quoi, maman? C'est drôle, tu vas rire, mais soudainement, je me sens beaucoup mieux. Maman, je me sens très bien. Maman, en pleine forme. Oui, vraiment, maman. C'est une chance. Quelle guérison, je crois même que c'est un miracle. Mais j'ai très bien, très bien, très bien, je t'assure. Et comme je suis très content et que j'ai très hâte d'aller à l'école demain, je vais me coucher sans insister. Et Damien se coucha aussitôt sans rouspéter. Things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy no food. And Frankie's gonna be good. What do you for Frankie? Je suis méchant! Je suis méchant, soit! Mais c'est pas ta faute! Je suis méchant! 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 Je suis méchant!
Damien et les chocolats. Alors qu'il était tranquillement endormi dans son lit et qu'il ne demandait rien à personne, Damien se sentit soudainement envahi par un grand problème moral. En effet, pensa-t-il, il y a dans mon sac, tout près de mon lit, des chocolats tout frais pour donner à mes amis. C'est bien gentil de ma part de m'être procuré tous ces chocolats pour les donner à mes amis. Je suis bien gentil, c'est très noble. Ils seront bien contents d'être mes amis, ça oui. Ce disant, il les étala devant lui pour s'aider à penser et il continua ainsi. Alors voilà. J'ai 10 amis, alors j'ai 10 chocolats. Un chocolat pour chaque ami. Jusqu'ici tout va bien. Un chocolat pour chaque ami. Oui, car il ne faudrait pas qu'un ami n'ait pas son chocolat. Ce ne serait pas juste. Ce serait une injustice. Et l'injustice, c'est très 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 mal. Oui, c'est très mal l'injustice. Il ne faut pas créer d'injustice. Il faut tout faire pour ne pas créer d'injustice. Pensez, Damien. Mais alors, ajouta-t-il, pourquoi est-ce que tous mes amis auraient des chocolats et pas moi? Et le problème moral le mettait très mal à l'aise. Oh là 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 là! Quelle question difficile! Car en effet, s'ils font un chocolat pour chacun de mes amis, pour ne pas créer d'injustice et que moi je n'ai pas de chocolat, il y a définitivement une injustice. Je trouve qu'il est très mal que tous mes amis aient des chocolats et pas moi. Oui, c'est très mal, l'injustice. Il ne faut pas créer d'injustice. Alors voilà, il faut réparer l'injustice. Voilà. Et Damien s'empara d'un chocolat qu'il avala en se léchant les doigts. Oh non, c'est quoi? C'est de la gelée. Voilà. Ah, justice est faite, heureusement. Qu'en pensa-t-il après cette difficile décision? Puis, content de lui, il retourna se coucher. Seulement quelques instants plus tard, il se releva, car il se sentit à nouveau envahi par un grand problème moral. En effet, pensa-t-il, voilà que je n'ai plus que 9 chocolats. Et pourtant, j'ai toujours 10 amis. Ce qui veut dire qu'un des amis n'aura pas son chocolat. Or, cela est une injustice. Et l'injustice, c'est très 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 mal. Que faire? Se tourmenter, Damien. Je n'ai pas le choix. Pensa-t-il douloureusement. Je dois sacrifier un ami. De toute façon, quelle différence est-il entre 9 et 10 amis? Oui, quelle différence? Est-ce qu'on sait faire la différence quand on a autant d'amis? Se dit-il. Alors voilà, je n'ai qu'à avoir 9 amis plutôt que 10. Ben voilà, j'ai maintenant 9 amis et justice est faite. Pensa-t-il après cette difficile décision, puis content de lui, il éteignit. Puis ralluma. À nouveau hanté par un grand problème moral? Oui, mais s'il n'y a aucune différence entre 9 et 10 amis, quelle différence est-il entre 8 et 9 amis? C'est vrai au fond, quelle différence est-il entre 9 et 8? Et quelle différence entre 7 et 8? Et entre 6 et 7? Et entre 5 et 6? S'il n'y a aucune différence entre 5 et 10, il n'y a aucune différence non plus entre 5 et 10, oui. 5 amis, cela fait moins de cadeaux d'anniversaire que 10. Mais 5 amis, cela fait aussi moins de cadeaux d'anniversaire à donner. Ah, et le grand problème moral le tourmentait deux fois plus. Et s'il n'y a aucune différence entre 5 et 10, il n'y a aucune différence non plus entre 1 et 10. 10, c'est beaucoup plus que 1, mais ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Ah, et Damien était très embêté. Mais alors, si je n'ai plus qu'un seul ami, alors qu'est-ce que je vais faire de tous ces chocolats? Je ne vais tout de même pas les gaspiller. Ce serait très mal. Ce serait très, très mal de les gaspiller. Alors il se mit en devoir de tous les avaler. C'est mon devoir. Pensa-t-il. C'est mon devoir, car il ne faut pas gaspiller. Ah, maman dit toujours que c'est très mal de gaspiller. Se disait-il en mangeant. Et papa aussi le dit. Ajoutait-il. Et grand-papa. Et grand-maman. Et finalement, ben, il mangea tous les chocolats. Car il ne faut pas gaspiller. Sauf un. Ah oui, sauf un. Parce qu'entre un ami et zéro, là, oui, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Il est donc très important que je garde ce chocolat pour le donner à mon ami. Et ainsi, tout est dans l'ordre. Voilà. Tout est enfin réglé. Et Damien est ému. Mais il ralluma aussitôt, à nouveau perturbé par un grand problème moral. Car oui, en réalité, comment vais-je choisir lequel de mes amis garder? Et à nouveau, il se dit, peu importe qui je choisirai, ce sera très injuste pour les autres. Ah ça oui, très injuste. Et l'injustice, c'est très 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 mal. Pensez Damien. Je ne peux pas, je ne peux absolument pas faire cela sans créer d'injustice. Et c'est pourquoi il ne reste qu'une solution, je n'ai pas le choix. Je vais me sacrifier et garder tous mes amis. Se dit-il. Pas le choix. Il regarda alors le dernier chocolat et pensa, je le trancherai en 10 parts égales. Ainsi tout le monde aura droit à son chocolat et tout rentrera dans l'ordre. Ouf! Se dit-il. Tout est enfin réglé. Et il était dit enfin. Mais s'il y a 10 parts et que j'ai 10 amis, alors moi je n'en ai pas. Non, décidément c'est trop injuste. Trop bien.
son lit, crut que les muses la visitaient, car soudainement, elle se sentit transportée par une verve puissante et des mots nouveaux sortir de sa bouche. Crotte ! Mais ce n'était pas tout. À ceci s'ajoutait cela, et à cela s'ajoutait ceci. Si bien que de mot en mot, tout un dictionnaire raffiné émergea. Crotte. Acceptant de se laisser dériver au fil des mots, Patricia découvrit des effets inusités. Crotte. Des contrées nouvelles. Crotte. Et des vérités inconnues. Crotte. Tout ce langage nouveau l'enchantait, et elle se promettait dans l'avenir beaucoup de joie, de plaisir et de beauté. Crotte. L'ennui, c'est qu'une fois la joie estompée, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle voulut dire autre chose que de grands mots. Crotte. Elle voulut dire des choses simples. Crotte. Elle voulut simplement faire savoir à sa mère qu'elle avait faim. Crotte, crotte. Rien à faire. Tout ce qu'elle voulait dire se tordait dans sa bouche. Et prenait des virages imprévisibles. Rapidement, elle commença à être effrayée. Crotte, crotte, crotte. Les lupeaux se pincer les lèvres, se crisper la mâchoire, se plier la langue. Crotte. Rien ne sortait plus comme elle le voulait. Plutôt que de demander à boire, elle disait... Crotte. Plutôt que de dire qu'elle avait mal quelque part, elle disait... Crotte. Et plutôt que de dire excusez-moi, pardon, quand elle avait été impolie, vulgaire, déplacée, grossière, elle disait encore... Crotte. 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 Si bien qu'au final, personne ne l'écouta plus. En effet, comment porter attention aux paroles de quelqu'un qui, plutôt que de dire « à l'aide !» dit « crotte !» Comment porter attention aux paroles de quelqu'un qui, plutôt que de dire « mais je sais pas ce qui m'arrive !»« Je suis désolé, je ne le ferai plus !»« Et encore crotte, encore crotte, et toujours crotte, 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 désespérée, du bien pourtant se résigner et délaissée de tous, seule, sans maison et sans nourriture, elle finit par mourir de froid et de faim. Qu'elle avait aimé, à toute la joie qu'elle aurait eue si cette malédiction ne lui était pas tombée dessus, si elle avait pu parler simplement comme les autres et oublier de tous ces malheureuses, ces dernières paroles furent. Le dit. Idiote. C'est que c'est vrai. Idiote.
Je ne vaux pas un clou. Alors, Patricia, qui était une fillette de décision, décida qu'elle allait se jouer dans le cerveau à l'aide d'un grand clou et de remettre ses idées à la bonne place. Sans hésiter, elle donna un premier coup et le clou s'enfonça par l'oreille, mais elle n'eut pas l'impression d'être beaucoup mieux. Alors, elle en donna un deuxième. Au deuxième coup, elle sentit que quelque chose se trouvait là, quelque chose qui obstruait. Alors, Patricia donna un troisième coup de toutes ses forces et sortit alors par l'autre oreille une pépite d'or aussi grosse que son poing. Ah, c'est quoi ça? Ah!
Derrière les dents. Chut. Ça vous l'air. Chapitre 6, Damien et le bruit. Damien, en pleine nuit, se redressa soudainement dans son lit. Cria-t-il. J'entends quelque chose. Quelque chose comme un cri. Un cri lointain et si petit qu'on dirait qu'il ne vient pas d'ici. Et pourtant je l'entends. Un cri infini et je ne peux pas me rendormir. J'ai l'impression qu'une souris tourne en rond dans ma tête. Et il était très agacé. Il chercha d'abord dans les plis de ses couvertures et dans ses oreillers. Il vit d'abord leur contenu sur le sol et vérifia jusque dans son propre pyjama. Mais il ne trouva rien. Rien, rien, rien. Et le petit chien continuait sans comprendre. C'était si énervant que Damien se grattait avec ses ongles et avec ses dents. Cela devait venir de sous le lit. Mais au moment où il pensait à cela, sorti de sous le lit, un homme étrange portant un chapeau et un long manteau. À sa vue, Damien eut peur. Il voulut crier, mais l'inconnu parla. Ah ! Damien, te voilà enfin, cela fait des années que je te cherche. Damien, qui ne l'avait jamais vu, s'inquiéta grandement à sa vue et voulut se sauver. Mais l'inconnu le retint fermement par la bras. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Vois-tu, Damien, je suis psychologue, psychiatre, analyste intellectuel, savant, inspecteur. Je sais tout et je sais tout de toi. Je lis dans tes yeux et sur ton visage et même dans ta coupe de cheveux. Je sais que ton âme est une plainte sans fin et ton sang une eau sans fond. Tu es très malade, Damien. Damien crut bien qu'il se trompait et voulut se déprendre, mais l'inconnu le retint fermement et sortit un couteau. Ah ! Mais je n'ai rien fait. Je ne suis qu'un petit garçon de rien qui ne demande jamais rien et qui n'a jamais rien fait de mal. Je ne suis pas venu ici pour entendre tes mensonges. Je suis chasseur de fantômes. Je suis chasseur de monstres. Et je vais faire ce que j'ai à faire, que tu le veuilles ou non. Mais je ne sais pas que vous parlez, je dormais très bien avant que vous n'arriviez. Tu mens, Damien. L'inconnu s'approcha alors dans le dos de Damien et fit quelque chose. Là. Avec la pointe de son couteau. Énorme, écailleuse et verte. Il n'eut pas le temps
réagir que déjà vint d'une deuxième aile. Et puis encore un museau, des crocs, des cornes, des griffes, de la bave, toute une créature gigantesque et monstrueuse sortie de lui. Vous vous sentez mieux? Oh oui! Merci infiniment de m'avoir sorti de là! J'étais coincé là-dedans depuis bien trop longtemps! Mais à quoi est-ce que vous pensiez? Vous devriez pourtant savoir. Il ne faut jamais vous aventurer si loin dans le corps d'un enfant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, je ne le ferai plus, c'est promis! Bon, allons. Tout est fini maintenant. Venez avec moi. Et l'inconnu prit la créature par le bras et ils disparurent tous deux sous le lit. Patricia et sa poupée. Non, pas les poupées, non. Mais arrête. Patricia, le soir dans son lit, ne trouvait plus le sommeil. Je ne rêve pas. Je ne dors pas. Je ne fatigue pas. Je ne ris pas. Je ne pleure pas. Je ne réfléchis pas. Je ne pense pas. Je ne mange pas. Je ne fais qu'une seule chose. Je m'ennuie. C'est alors qu'une idée de génie lui traversa l'esprit. Elle se leva et prit dans son coffre des ciseaux en argent. Puis, elle regarda cachée parmi ses couvertures sa poupée préférée et s'adressa à elle ainsi. Tu es la plus belle et la plus précieuse des poupées. Tu es de riches tissus habillés et tes cheveux sont aussi soyeux que les miens. Je dirais même qu'ils sont un peu plus soyeux, un peu trop soyeux. Plus soyeux et plus beau, un peu trop plus beau, et aussi ils sont plus longs, ils sont beaucoup trop longs, oui, vraiment tu as des cheveux très dangereux, je vais simplement les raccourcir un peu. Et tout en coupant, Patricia se disait, il n'y a rien de plus délicieux que de sacrifier quelque chose de précieux. Mais quand elle termina, elle était encore insatisfaite. Non, ça ne va toujours pas. Et elle répéta encore. Et encore l'opération, si bien que deux cheveux à la fin, il ne reste plus rien. Non, ça ne va toujours pas. Se dit-elle. Ils sont encore beaucoup trop longs. Alors, elle regarda les ciseaux, tourna une de ses couettes, regarda sa poupée, regarda le plafond, regarda les ciseaux, tourna une de ses couettes, regarda sa poupée, regarda les ciseaux, tourna une de ses couettes, regarda le plafond, regarda les ciseaux, regarda sa poupée. Vraiment, il n'y a rien de plus délicieux que de sacrifier quelque chose de précieux. Puis ça y est, elle coupa. Et la tête de la poupée tomba sur le plancher. Patricia, enfin, se sentit fatiguée. Elle laissa tout cela sur le plancher et se coucha sans s'en préoccuper. Mais à peine ses paupières se fermèrent-elles qu'elle entendit cogner à sa porte. Elle veut rien sur le dos.
Patricia, tu es la plus belle et la plus précieuse des petites filles. Tu es de riches tissus habillés et tes cheveux sont aussi soyeux que les miens. Je dirais même qu'ils sont encore plus soyeux, un peu trop soyeux. Plus soyeux et plus beaux, un peu trop plus beaux. Ils sont aussi plus longs, ils sont beaucoup trop longs. Oui, vraiment, tu as des cheveux très dangereux. Je vais simplement les raccourcir un peu. La poupée sortit alors des ciseaux argentés. Prends comme ça. Patricia, effrayée, voulut s'enfuir. Mais la poupée lui bloquait le chemin. Désespérée, elle ouvrit sa fenêtre et enjamba le remords. Mais Patricia, pourtant, il n'y a rien de plus délicieux que de sacrifier quelque chose de précieux. La poupée fit un autre pas. Et Patricia sauta. Moi non plus, je ne dormais pas. Comment cela? Oh, je suis pas fatigué, c'est tout.
Moi non plus. Toi ? Moi non plus. Oh. Cela ne te dérange pas si je me mets là en attendant ? Non. Non. Merci. Taisez-vous, s'il vous plaît. Mais non, mais non, oh,